C'était une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe. Sentant quelque chose qui la chatouille, derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. En voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle. Et comme en chaque homme, tout de suite s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle René et j'habite rue Descartes. Métro continue son voyage. Elle se dit: ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air ferme et convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur. À qu'il est bon d'aimer, quel frisson de bonheur. Ainsi à Paris, quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. N'ayons pas peur du ridicule, peu importe le véhicule, dites-lui simplement: je t'en prie, viens donc à Paris manger des spaghettis.